On va essayer de checker, hein. On va essayer de voir. On a fait un petit peu le ménage. Ouais, la base, elle est là-bas. Le roi des faucheurs, faudrait que je vois combien il a de PV. Hein. Mais level 170, c'est énorme. Dans le désert, je l'ai... il était level 4, je crois. Il va vraiment m'embêter, celui-là. Alors, ce qu'il faut que je fasse, parce que le vrai problème, c'est le roi des faucheurs. Ce truc-là, il faut que je le vire. Alors déjà, ici... ici, ce qu'on va faire, pour la strat que j'ai en tête, là, on va clean un peu, parce que c'est un peu le darouet, comme on dit. Première étape de la nouvelle strat. La nouvelle strat, elle concerne surtout le roi des faucheurs, hein, parce que le roi des faucheurs, je pense que je pourrais pas le tuer. Donc là, ce qu'on voit, c'est que le roi des faucheurs est ici. Et ce qu'il faut que je fasse dans cette deuxième étape, c'est le dégager de la grotte. Donc l'idée, ça va être de le prendre et de l'amener le plus loin possible de la base. Là, on voit qu'il est bloqué par les pics, donc il faut que je le débloque et que je le fasse sortir. C'est très risqué. Alors, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je fasse une ouverture. Le griffon. Il est en position de départ. Allez, on croise les doigts que ça se passe bien, même si on est dans l'arc, on y croit. Hus Hus. Il me suit ou pas? Yo, tu veux pas venir? Il est coincé? En vrai, si je me mets là, il devrait pas pouvoir me toucher, non? Il faudrait que je les fasse descendre aussi, ils m'emmerdent ici. Vas-y, cassez-vous, vous. Voilà, toi tu tombes, toi tu tombes. Allez, tout le monde tombe. Il n'y a plus personne en haut. Bon, ils sont vachement proches. C'est un peu dangereux, mais ça va. Là, on ouvre les barrières pour laisser passer le roi des chauffeurs. Faucheurs. C'est pas pareil, le roi des chauffeurs. Là, il est full bloqué, le roi des faucheurs, là. Il a envie de venir me fumer, mais il peut pas. Allez, t'arrives pas à faire le tour, là? What? Et merde, c'est le Bélonazor, là. Il arrive! Il arrive! Oh! Ok! Viens! Ouah, tu m'as fait tellement peur! Allez, viens, on sort! Viens ici! Par ici, par ici! Mon gros! Ouah, s'il me touche, il me démonte, je pense. Il m'a mis combien? 100? Je sais pas. Bien. Allez, on se casse. Allez, on s'arrache d'ici. Voilà, c'est bien. Viens là. Allez, tu dégages. Voilà, très bien. Tu dégages encore plus loin, je te dis. Pas de possibilité de retour. On y va tranquillement. Non, mais c'est nul ton truc là. Regarde, c'est pas visé. Voilà, très bien. Maintenant, attends, tu me lâches. Voilà. Roi des faucheurs, problème éliminé. Je crois qu'il n'y a plus rien. Hein. À part les Vénonazors un peu partout, il y en a un qui est coincé en haut ici. Ça peut être dangereux. Je pense que ça devrait le faire. Hein. Je pense que mes loups, ils pourraient tous les tuer. Donc on va y aller. Ça va être la guerre, la bataille des loups. Si vous pouvez survivre, ce serait bien quand même. Je vais vous mettre en mode agressif. Et quand vous voulez attaquer, vous y allez. Tu peux aller te battre. Il est temps. Allez, go. Non? Allez, go, 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 go. Allez, moi, je vous soutiens. Paf, paf. Allez, vous les fumez tous. J'ai déjà perdu mon armure, t'es sérieux? Non, mais ça tient pas, c'est abusé, quoi. C'est quoi, ce truc? Allez, on y va, on y va. On les fume tous. What? C'est bien, les gars. Moi, je vous soutiens, je casse tout. Derrière. C'est la guerre absolue. Voilà, nickel. Toi, tu descends, là. Cheat pas. Voilà, fumez-le. Ah, ils sont trop forts, mes loups. Hein. C'est abusé. C'est quoi, ça? Il y a un griffon, là. Fumez le griffon. Paf. Paf. Ouais, c'est bien, les gars. Là-bas, il y a autre chose. C'est le combat final. Bon, bah, le combat final est terminé. Bah, ils sont trop forts, mes loups. Ok, ok, calmez-vous, les gars. Venez, venez manger tout ce qu'il y a, là. Calmez-vous, les refs. On a fini tôt. Calmez-vous. Ouah, tiens, un fio bien énervé là. Venez, venez, suivez-moi les gars. On va aller manger toutes vos carcasses. Ouah, c'était un carnage. Hein. Beaucoup trop fort, mes loups. Ils ont pas perdu de vie. Ils ont perdu 1000 PV quoi. Ok, bon, je me suis remis un froc quand même. Maintenant, on va juste tout péter. La grande régalade. Alors, y'a quoi là-dedans là? Ah. Pas. Paf! Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Dites-moi. De l'argile. Je prends l'argile. Très bien.
Là, y a quoi, là? Bon, là, on s'en fout, y'a rien d'intéressant. S'en fout. Oh, c'est... Ah, c'est ça, les murs renforcés. What? What? Au secours, les loups! Blablabla. À l'aide! Ah, fumez-les, bordel! Je panique! Ouais, c'est bien. Mais quoi? Mais genre, c'est bon, on est jamais tranquille aussi, là. Bon, alors, les murs renforcés, c'est ça, là. J'étais en train de vous dire. Vous voyez, ils sont plutôt stylés, hein. Donc c'est bien, on va pouvoir tester ce que ça donne sur les murs renforcés. Alors, est-ce qu'il y a des trucs à l'intérieur, quand même? J'ai pas l'impression. Ouais, c'est un peu plus solide. On va tester aussi ça, là. Les flèches explosives, j'ai pas testé, finalement. Les balles explosives. J'entends un truc. Bousier. Ouais, il y a un bousier à l'intérieur. Alors, truc. C'est pareil, 2700 de dégâts. Ouais, c'est pareil. Par contre, ouais, c'est solide en vrai. Hein. Ça a rien à voir. Ça a vraiment rien à voir. On va passer par la porte. La porte, elle est pas solide. Et ouais, ça, c'est le problème de la porte. Il veut quoi, le bousier? Sérieux, je vais me péter contre un bousier, là? Ouais, plus de bousier. Alors, ici, il va y avoir du stuff. Ouais, tiens quoi? Il y a un fiomien en colère? C'est ça. Bah, du coup, là, tu veux quoi en fait? T'as un blême? Tu veux que je t'envoie mes loups? Ouais. Je pense que tu veux pas. Alors, ça, on ouvre. Voilà, très bien. Ouais, j'ai tout cassé. Oups. What? Fiomia en colère? Ouais, mais toi, je te 1v1, toi. Toi, je te 1v1. Rien à foutre. Viens là. Tu veux te péta, mon pote? On se péta. C'est quoi qui est là, là? Un œuf? Ok, F de Daima. Alors, là-dedans, là, il y a quoi d'intéressant? Y a que des trucs nuls. On peut faire de l'essence? Ok, je savais même pas. Alors là, il y a quoi? Y a que des trucs nuls aussi. Du cannabis! On avait affaire à un drogué! Incroyable. Ça, c'est quoi, ça? Admin. Oh, j'ai attaqué un admin? T'es sérieux? Bug zapper. J'ai attaqué un admin! Ah, mais il est là-bas! Attendez, attendez. Trop d'infos là. On va tout casser d'abord. Voilà. Casse tout. On casse tout. Ouais, tant pis. Tant pis pour l'admin. Bah ouais, mais bon. Qu'est-ce que... La fumée. On se dissipe. Ah, là-bas, il y avait des trucs. Alors. Ok. Le métal, en vrai, je m'en fous aussi. Hein. Il avait rien, le mec. Oh, tiens, de la bouffe. Ça, c'est important. Merci, j'ai tout le temps faim. Y'avait pas des trucs bien, genre? Ouais, ça je prends aussi. En vrai, niveau loot, on n'y est pas. Hein. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas non plus des masses de loot à prendre. Hein. Le seul truc qui serait intéressant, ça serait des meilleures armes. J'ai une question. Est-ce que je peux faire ça? Mais il y en a plusieurs. Attends, mais ils dormaient ensemble? Il y en avait deux dans le même lit. Et ils faisaient des trucs bizarres. Hein. Alors, il y a quoi là? Oh, un phénix. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais je prends quand même. One-chan. One-chan, je suis désolé, mais... Tu vas crever, hein. Voilà. Dans le doute, ça finit comme ça. Et toi, écoute... Je pense que ça va finir par rien. Exécution sommaire. Iria, désolé. Bah, vas-y, ce jeu. Mais quoi? Mais meurs! Meurs, bigre! Mais enfin! Mes loups! J'ai besoin de vous. Il y en a un qui veut pas mourir là-bas, là. Voilà, très bien. Vous êtes régalés, j'espère. On va casser les lits, hein, histoire d'être vraiment chiant jusqu'au bout. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que c'est ça? Ça, on s'en fout, y'a rien d'intéressant ici. Ouais, peut-être ça, les narcos. Ah ouais, ça aussi, c'est intéressant pour le Fiomia. Oh, de la truc de bouffe, là. Attendez. Il peut y avoir un truc intéressant aussi là-dedans. Hein. Et là-bas, y'a une grosse bâtisse, là, j'ai hâte. J'ai hâte d'aller péter tout ça. Alors, la bouffe, y'a quoi? Décomposition? Je peux pas? C'est ça. Oh, je peux pas. Cache d'objets. Bah ouais, mais... Bon, ok.
Laissez-moi passer. J'utilise quand même pas mal de flèches pour rien, hein, oui. Ok, très bien, merci, je passe. Ici, on ouvre. Merci bien. Toc, toc, toc. C'est moi, Ramgo. Aïe, les oreilles. Le fou furieux. Je cherche Togmar. Est-ce qu'il est ici le cul du justicier, ce gros FDP? Pardon. Pardon, on est sorti tout seul. Alors ici, ça devait être un endroit pour la repro. Il n'y a plus rien, on dirait. Ça va surtout servir pour les vélonazors, hein. On va rentrer par le toit, hein. C'est plus safe. Comme ça, on a un point de vue. Un peu global. Voilà, on y voit bien. Hein. Pas d'avoir grand chose là-dedans. Ça va un peu vide. Le fil de vie. Merde, fil de vie. Bon, c'est pas grave. Y'a rien. Ah, y'a encore quelqu'un. Steve Bob. Style FR. Accéder à l'inventaire. Oh, mais y'a du truc là-dedans. Ah, enfin. Enfin, quelqu'un d'intéressant dans cette tribu. Carnot, je prends. Il. Femelle, je sais même pas ce que c'est, je prends. Les flèches en feu, je prends. Les tranques, je prends. Gemme rouge. Je prends. Oh. Un Shadowman, je prends. Un rhinocéros laineux. Moi, je prends. Une petite wyverne. Eh bien, je prends aussi, merci. Smoke Arrow, je prends. La viande pourrie, je prends. Rien d'autre. Il est temps. Style Bob. Bulldog. Qu'est-ce que c'est ce machin? Il y avait un truc qui gueulait, ouais. What? C'est quoi ça? T'es rigolo, toi? Il est rigolo, celui-là. T'as essayé de me faire quoi, Steve Bob? Bah attends, mais il est trop solide. Ok, je crois que c'est terminé, hein. Il n'y a plus grand chose. Hein. On va juste un peu clear pour voir s'il n'y a pas des trucs cachés quelque part. Heureusement que c'était pas en fondation, en pierre renforcée, ça aurait été désagréable. Hein. En tout cas, c'est tout le reste, si ça fait quoi, ça vole? Ça tient par ici? Non, ça tient par là. What? Je crois que je fais une connerie. Oh. Il a pas aimé. Il a pas du tout aimé le jeu. Bon, je reviens un peu plus tard. Ah mon dieu. Ok, bon, je suis de retour dans le jeu. Ouais, j'ai tout fait tomber d'un coup. En vrai, c'était pas forcément une bonne idée. Mais je pensais pas que ça allait cracher quand même. Donc, on va le faire tranquille. Ouais, j'ai refait le même truc. Je pense que c'est terminé. Hein. Je pense vraiment que là, il y a peut-être des coffres cachés. J'en sais rien. Parce que je trouve qu'il y avait pas énormément de stuff là-dedans. Au pire, tant pis. Là-bas, il y a un petit peu du spam de Fonda. Ouais. Il y a des nonichus. Je pense qu'ils vont m'embêter. Mais en vrai, ça peut être pas mal. Pour défendre la base. What? Calmez-vous. Calmez-vous, j'envoie les loups. Calmez-vous, j'envoie les loups. Là, vous avez gagné. Attendez, suivez-moi. Suivez-moi, ouais. Vous allez vous prendre une tripotée de loups sur la gueule, vous allez voir. Eh, les gars. Vas-y, allez. Allez, fumez. Là, ça arrive. Ça arrive ici, les gars. Voilà, fumez-les tous. J'avais prévenu. Bon, bah écoutez, franchement, je suis assez content de ce raid. C'était plus complexe que prévu. Évidemment, j'ai évité le plus gros problème, le roi des faucheurs. Après, les volanazors qui volent. Un peu complexe aussi, mais pour un premier raid, je pense que c'est pas mal. La base était beaucoup plus costaud que ce que je m'imaginais. Je pensais pas que la grotte était aussi grande. Ramgo, l'habillé vénère, a sévi pour la première fois. Mais il a pas trouvé le cul justicier. Eh merde. Donc on va rentrer à la base, on va se restuffer, on va préparer un autre raid. En attendant, je vais améliorer la base. Je vais continuer à faire des repros de loups. Je vais farmer, crafter et surtout, je vais chercher des nouvelles bases. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça soutient la chaîne énormément. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et moi, vous savez, tout ce qui me reste à vous dire, c'est tout le monde.